Allez, ça tout le monde, c'est Tazeric Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 853 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent où on s'était attaqué à notre mode aventure, les amis, dans la carte des mers occultes. Donc on est à 96%, plus que 4%, et souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé cette case, lequel on avait obtenu notre réceptacle de cœur avec Xero. On en avait même obtenu deux, les amis, grâce au gain de niveau. On avait également obtenu l'habit de fée, l'aliment esquis et le costume. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble le costume. Hein, je vous avais un petit peu oublié. C'était tout simplement le costume avec Ruto. Donc voilà, normal, mère occulte, honnêtement, qui était magnifique. Et donc aujourd'hui, bah, on va pouvoir s'attaquer tout simplement à cette case, hein, tout simplement. Donc dans lequel vous avez vu qu'il y a un réceptacle de cœur avec Zelda. Oui, on parle bien de Zelda. Donc on est obligé d'utiliser le petit grappin pour débloquer la suite. Là, vous avez débloqué une nouvelle récompense, enfin une nouvelle zone de la carte, pardon. Et c'était un... Bon, il fallait s'en douter. C'était un rancé. Donc, réceptacle de cœur, c'est une protection bataille d'escorte du niveau 2. Règle des mers maudites, pas de libération de magie. Donc, on peut voir qu'en phase, nous aurons du coup des âmes, des Aeraphos, des Gibdo, des Dark Knight. Donc, protection bataille d'escorte, au cas où, hein, si vous le savez pas, on doit protéger normalement, si mes souvenirs sont bons, un missile teigneux des différents ennemis. Hein, pour le but est de faire exploser les forts. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est un truc très facile, hein, de base. Même le niveau le plus extrême qu'on ait eu pour le moment, je crois que c'est niveau 5, il était très facile. Donc je pense que les amis, ça sera tranquille, honnêtement. Hein, j'en suis même 100% sûr. Donc instant expérience, ça va mettre un petit expérience plus, ça peut être cool. Ah non, après pour, allez hop, c'est parti. Donc écoutez, un réceptacle de cœur avec Zelda, pourquoi pas. Déjà qu'elle en avait déjà pas mal, hein, de réceptacles de cœur, mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait plaisir. Merci. Alors, champ de bataille. Alors, on peut voir, on a 3 missiles teigneux, d'accord, à escorter. Ah ouais, d'accord. Donc, ok. Des Aeraphos, donc il faut les battre, évidemment. C'est eux qu'il faut battre absolument, parce que c'est eux qui vont défoncer les missiles teigneux. Et du coup, les forts, évidemment, où les missiles teigneux doivent péter. Voilà. Alors, au cas où, une petite précision, on peut voir que Zelda, du coup, il restera plus que 17 réceptacles de cœur au total après l'avoir obtenu celui-là. Donc c'est quand même pas rien. Ok, là, ils ont renforcé. Tac. Le nombre d'ennemis. Ok. D'ailleurs, la face attaque le missile ténu, il ne peut plus avancer. Donc on y va, hein. On va y aller. C'est juste qu'on fait un petit peu de ménage ici. Allez, on y va. On y va, on y va. Pendant que je suis en train de me faire piquer par les moustiques. Oui, il va aller comprendre qu'il y a des moustiques. Alors pour vous, on sera presque en... Bah, on sera le 31 mars. Chez moi, au cas où, on est début février, il y a des moustiques de partout. Ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Ok, donc ça sera fait. Tartin, t'as rejoint la bataille, on va vite aider le missile teigneux en haut. En fait, faut que les trois pètent dans le... D'accord. Faut que les trois pètent dans la base alliée. C'est pas mal comme système. Bon, honnêtement, c'est très simple. Hein. Y a aucune difficulté. Quoi ? Je crois que c'est la première fois qu'il y a un boss durant les protections. Pourtant, on avait... déjà fait une protection plus élevée que niveau 2. Il n'y avait pas de boss. D'accord. Ok. Pourquoi pas, hein.
Le roi Kuras, oiseau gigantesque. D'accord. Y a un... Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Allez, on y va. On y va. Le Dark Knight, s'il te plaît. Pas chier. Alors, le boss, en plus, il a apparu au mauvais endroit parce qu'il a apparu où le droit de missile tenu aurait dû être. Ça m'extermine. Mais ouais. Voilà, le roi Kuras. Salut, toi. Bon, ok. C'est drôle de voir ça. Bon, c'est quoi, on va même s'arrêter à côté du roi Kuras. On peut voir quand même la gueule qu'il a, hein. Honnêtement, on regarde pas trop les détails, mais... Bon, bah écoutez, au moins c'est fait. Bon, honnêtement, c'était pas si simple. Alors, il y a que le boss, je m'attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais pas, mais... Bon, ma foi. Et le réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale est donc augmentée d'un cœur. Oui! Il reste plus que 17 réceptacles de cœur avec Zelda! T'es suicidaire, toi, non? Le chat, il est tout en haut du truc. Oh, mon dieu. Great. Bon, bah, je vais pouvoir les manger parce que c'est bientôt 14h chez moi. Hey, thank you. Mais on s'en fout, Waouh, on obtient que de la merde. Parce que maintenant, ça, c'est de la merde avec ce qu'on a. 14900 rubis et ça aussi. Bon, c'est bien, on a des rubis avec un cuir d'Aerafos. Bah écoutez, si on débloque la suite comme ça, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, dans l'épisode prochain, tout simplement, ça sera du coup la semaine prochaine qui permettra tout simplement de clôturer cette carte des mers occultes, évidemment. En tout cas, cette carte aventure. Donc, dans le planning prioritaire, hein, je précise. Donc, le planning prioritaire, ça sera du coup le prochain épisode à 20h. Hein, je vous expliquerai le concept du planning prioritaire la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, quand on y sera, quoi. Donc, à 20h, il y aura du coup l'épisode 854. D'ailleurs, vous aurez du coup 3 épisodes dans la semaine. Donc, ça permettra d'en plus de commencer la carte du crépuscule avec. Et oui, on va pouvoir commencer ma carte préférée, ma carte aventure préférée. Donc, écoutez, hein, voilà, on va pouvoir vérifier un petit peu tout. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 853 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et d'ici là, ben, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, payez-moi pendant ce temps-là, je vais aller manger, j'ai faim.